Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 18e épisode de notre 18e mission solo sur Icarus Concealment Recovery. Et aujourd'hui, on rapporte l'exotique à notre pod et on va terminer la mission. Allez, c'est parti. Toi. Tu ne m'as pas vu, petit éléphant? Ce n'est pas moi qui ai tué ton copain. Allez, cette fois-ci, c'est parti pour finir. On dépose l'exotique. Et on va faire le... l'Arachnid Unit 1. Et on rentre à la maison. Avec tellement de pognon. Rien qui me fallait récupérer là, non. Rien qui me fallait récupérer. Éventuellement des loups qu'il me fallait éliminer sur le trajet. Je vais peut-être repasser quand même par la maison pour... juste pour remettre mon point de spawn au cas où. Pas devoir me taper toute la traversée de la forêt sans eau, sans rien si jamais je... si jamais il m'arrivait quelque chose. Quoique... est-ce que je prends le risque? Oui. Ça rajoutera du piquant. Bon, bah au final, les scorpions... une fois qu'on a compris qu'il faut pas s'acharner à les affronter parce qu'ils sont à l'aise... les esquiver sans problème. Du coup, je me suis pas entraîné à trouver leurs points faibles. Est-ce que de dos, par exemple, à la base de la queue ou quelque chose comme ça? Ça paraîtrait... si j'étais un scorpion, je pense que ça serait mon point faible. Métaphysique. C'est plus court par là? Non, je ne pense pas en fait. Pas particulièrement en tout cas. Surtout plus dangereux et des tempêtes qui me ralentiront beaucoup plus s'il y en a. Donc, on refait le même trajet une fois de plus. J'ai pris un bâton, super, je suis content. Je suis passé juste à côté d'un loup là, non? Je pense qu'il a même pas eu le temps de me calculer.
Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Une T-bone. Alors, est-ce que je prends lui? Plus 100 max stam, 150 health, 20 health regen, plus 5% d'expérience, on s'en fout. Ouais, mais c'est mieux. Ça fait plus de stam. Et la stam, c'est la vie. Alors cette liste de courses, bah c'est bon. J'ai tout mon exotique. J'ai tout ce qu'il faut pour déclencher. J'ai mes 50 gunpowder, j'ai mes 5 électroniques. J'ai mon Fatty Bone. J'ai mes Oxygen Restoration Paste. J'ai une bonne barre de stam. On peut avoir de meilleures barres de stam encore, mais... En s'embêtant un peu plus avec la cuisine. Cherche pas, loup. Là, ouais, ça va être un peu au barbecue avec des pinces de scorpion en amuse-bouche. On a tout ce qu'il faut pour manger. Bon, on n'a pas grand chose de plus que d'habitude à boire, mais on a toujours notre bonne vieille gourde. C'est vrai qu'on s'est même pas amusé à faire d'autres boissons. On pouvait faire du thé qui donnait un bonus dans l'Arctique. On l'a pas fait. Peut-être en coop ça, tiens, sur la prochaine. Une des. Prochaine mission qu'on fera dans la zone arctique. Et la mission avalanche qu'on n'a pas fait encore, qui serait sympa. Il s'agit d'ouvrir la zone glacier. Ah bah super. Super de chaleur. Comme si j'avais pas assez chaud à courir partout comme ça, moi. Bon, du coup, avec cette mission, j'aurais quand même découvert un truc sur les bœufs. Que maintenant, ils ont bien séparé tous les prime meat. Avant, c'était un prime meat bœuf. Il y avait des effets différents selon la prime meat, mais qui était. On pouvait en avoir qu'un, on pouvait pas cumuler. Quand ils avaient sorti l'ajout des stringy meat et tout. Maintenant on peut cumuler. Ça, je trouve que c'est cool.
Et où suis-je? Je suis pas loin, c'est ce qui me semblait. Je suis pas tout à fait, mais pas loin. Et tu peux royalement... C'est moi ou il vient d'en mettre sans en enlever? Ok, c'était juste un bug. Je pense que c'était juste un bug. Bon, on va rentrer quand même. Juste un bug. Oui. Bon, ou encore? Encore, apparemment. Et une dysenterie, tiens. On n'en avait pas eu jusque-là. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Hé! La flèche. Au moins ma flèche. Précieuse flèche. Et puis en plus il est 19h. Non, ok, donc définitivement on rentre. Une bonne nuit de sommeil. Et demain matin, ça ira mieux. Ouais, le feu du barbecue est déjà prêt. Un sacré barbecue, hein. Je pense qu'on peut faire des brochettes d'éléphant. Entier. Bon, mais quand je vois la météo, je suis content d'avoir fait en pierre rapidement, hein. Oh. Mais est-ce que j'ai des... Parlons de pierre. Non, pas là. Là. Prends ça, fais-toi un nouveau feu, parce que celui qui est dehors, il est dehors. Ça c'est bon, ça. Celui qui est dehors, il est dehors, c'est... Ça paraît évident. Bah ça, j'ai pas ramené de soufre. Bon, j'ai pas ramené de soufre. Il manquait un bœuf.
On n'y voit rien avec la pluie. Et on va passer par l'accès au-dessus. Parce qu'on a vu que c'était plus court. Et autant prendre le chemin le plus court. Qui mène tous à Rome. Et bonne nuit, Sabdam, à bientôt. À demain, peut-être. Je pense que demain, on va démarrer la saison 5 de Station Years. J'ai réussi à tester mes stacks du mode stacked sans le mode stacked en bêta. Donc, à part quelques codes IC que j'ai pas récupérés et qu'il faudrait que je fasse reprendre. Sur ma saison 4, j'ai tout ce qu'il faut pour démarrer. Eh ben, il y a des antilopes et des zèbres ici. Hein. À demain, Saddam. Petit vendredi, de toute façon, 7 days. Alors, je sais que c'est par là, mais où exactement? Là. J'ai un buff en moins, là. Presque aussi vite qu'un zèbre. Je peux doubler les zèbres qui m'ont oublié. Allez, où on l'a en visuel. On a 88 balles de pompe. Ça devrait très bien se passer. Il est tôt, on fait ça à la fraîche, il fait même pas 42 degrés. 42 d'ailleurs, ah, c'est plus chaud que l'autre désert, j'ai l'impression. Il semblait pas qu'il faisait si chaud dans l'autre désert. Allez, courage! Il est presque. Tu vas y arriver. Avec Fougard.
Alors. There you are. That's what you're looking for. No question. There we go. They're gonna love that. That's it. You got everything. That wasn't so hard, was it? Those things ain't friendly. Ah bon? T'as des gentils parfums? J'ai l'impression que le cougar il faisait pas partie du plan à la base. Celui-là il a spawné sous mes pieds. ...90%. Allez, un petit dernier. Et voilà. Yeah. Là, je suis prêt, hein. J'ai mon pognon, j'ai tout. C'est qu'ils sont violents les animaux. Ouais, il est joli ce désert. Par contre, là, c'est encore pire que l'autre avec les falaises et tout pour se diriger. Allez, cours, 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 tant pis pour la clé. Ah mais je l'ai la clé. J'ai le pognon. J'ai les rennes, parce que c'est une mission qui rapportait quand même 600. Mais elle m'aura pris... 9h. Un petit peu moins de 9h. D'après le compteur en haut. Je sais pas combien de temps d'aller-retour. Non, ça c'est une mission qu'il faudrait. Si on veut récupérer du pognon, faut qu'on se la fasse en coop celle-là. Avec trois extracteurs. Ceci, est-ce que ça prend trois extracteurs les... Non, c'était peut-être deux max. Mais bon, à deux extracteurs, ça va vite. Ah, ça va relativement vite. Sévère Desert Wines. Bah écoute. C'est pas un souci, on se sauve du désert là.
Donc cette tempête ne va que... Je peux m'embêter. Allez, sors de là! Eh ben, nounours, si t'arrives, t'es pas content que je revienne? Ça, c'est pas drôle. Ah si, c'était drôle. Oh si, c'était drôle. Je m'y attendais pas du tout. L'ours qui spawn dans mon dos. Alors j'étais trop concentré, je me suis même pas rendu compte que je passais juste devant lui. Bon, après c'est vrai que c'était pas des gros ours. Hein. C'était pas un gros ours. Allez, zou. Oui. That's it, partner. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 300. 1, 2, 3, 4, 5. 408. 408 exotiques sur une mission. Ouais. Et 600 rennes. Et presque 100 km dans le désert. Bien, 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 bien. Ah, Elsa, Elsa, Elsa. Level 50. Combien de fois je l'ai repassé le level 50? Et 600 balles et 408 exotiques. Ah bah c'est remonté là d'un coup. C'est remonté, je pourrais bientôt me payer un... Enfin, c'était 1400 qu'il m'en fallait. Non, c'est pas l'aile. 1400. 1400 exotiques pour cette pioche. Non, c'est cool. C'est cool. C'était une bonne mission. Ça a duré plus longtemps que d'habitude. Il y avait plus de trucs à faire pour la faire en entier. Donc... Non, sympa. Bon, en tout cas, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain soir, comme j'ai dit... sauf contre ordre, ça sera début de la saison 5 de Stash Veneers sur Vulcain. Vendredi soir, on sera en coop sur 7 Days. Et samedi soir, si XK est partant, étant suffisamment en forme, on sera sur Space Engineer. Donc, en tout cas, merci à vous tous. Je vous dis à demain et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!